Un autre type de technologie de fabrication des amortisseurs est également disponible. C'est l'amortisseur monotube. L'amortisseur monotube, comme son nom l'indique, ne possède qu'un seul tube. Ce tube possède deux composants séparés par un piston flottant. La chambre de travail où se trouve l'huile et où la tige est actionnée par une soupape double action, compression-rebond. Le second compartiment est la chambre d'expansion, chargée d'azote sous haute pression entre 25 et 30 bars. Grâce à son effet de contraction et de rebond, la chambre de travail reste constamment remplie d'huile. Le piston flottant, fabriqué en métal ou en plastique frité, sépare le gaz de l'huile et les empêche de se mélanger. Quand l'amortisseur est comprimé, la tige entre dans la chambre de travail et l'huile comprime le gaz, déplace le piston flottant et réduit ainsi le volume de la chambre. Par contre, quand l'amortisseur se détend, la tige quitte la chambre de travail, réduit la pression du gaz et provoque ainsi le rebond et le mouvement du piston flottant. Grâce au mouvement du piston flottant, la chambre de travail est toujours remplie d'huile sous pression, ce qui évite les problèmes de moussage ou d'aération. Le gaz sous haute pression augmente aussi le taux de réaction de l'amortisseur et donc l'adhérence et le contrôle du véhicule. Cependant, ces améliorations ont des effets indésirables tels que la perte de confort. Plus d'adhérence signifie plus de secousses. Cette technologie s'utilise donc davantage dans les tout-terrains de loisirs où la raideur n'est pas un problème. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.